Monsieur le Président, ma nomination de sous-lieutenant, c'est très important. Lorsque il a fini de distribuer les postes à qui il voudrait distribuer, notre jour de départ pour la Russie est arrivé. C'était maintenant au temps de CNDD. Mon ami est venu, m'a donné mon passeport, mon billet d'avion, mes frais de séjour du petit temps. Donc, je me suis habillé dans ma veste pour le voyage. Ma malchance est sortie où? Le fait que j'ai eu l'initiative, je ne peux pas aller à l'Union soviétique sans aller dire au revoir au président. C'est là-bas que tout a été. Sinon, je pouvais monter dans l'avion, aller, il ne pouvait pas être au courant. J'ai porté ma veste, j'ai laissé ma valise à la maison parce que je suis logé au camp, à la cité Panival, à 600, presque à 1 km, parce que le camp Alpha a fait en tout 3 kilos. 3 kilomètres. Je suis parti le voir, il était assis derrière son bureau. Le général Sekouba Konaté était assis. Dès qu'il m'a dit, ah, Marcel, tu as un veste comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, monsieur le président, je suis venu vous dire au revoir, nous devons bouger dans quelques heures pour l'Union soviétique. Il m'a dit, ah, oh, la bourse, là, c'est sorti maintenant, non? J'ai dit, oui, c'est sorti. Ah, ok. Est-ce qu'ils ont bien fait votre passeport? J'ai dit oui. Ça avec toi? J'ai dit oui. Mais fais-moi voir. Il prend mon passeport. Il tire le trou, il met dedans et ferme. Tu ne vas pas? Quand tu vas, qui va nous aider ici à travailler? Tu ne bouges pas. Mon ami, un tigre. Et aussi, bon, monsieur le président, ça c'est vrai. Hé, petit, si tu ne fais pas attention, voilà. On va annuler même pour tes amis. Parce qu'on était 15. Voilà. Ou bien, monsieur le président, on est au pouvoir, ou bien on n'est pas au pouvoir. Moi-même, j'étais arrêté, je ne sais même pas où je suis. J'ai dit, mais qui m'a poussé de venir devant les deux personnes-là? Parce que c'était des vrais amis. Ils m'ont bloqué. Je ne suis pas parti. Entre-temps, ils sont en train de me dissuader. Le commandant Touma, lui, il rentre. Touma, Marcel veut aller. Marcel veut aller. Lui aussi, il s'ajoute. Ah, Marcel, tu sais, si tu vas, bon, si tu connais, bon, moi, tu vois, il faut rester. On va voir. Après un mois, deux mois, tu vas aller faire tes cours. Ils sont en train de me mélanger comme ça, là. Ah, l'avion, c'est l'air. On ne va pas t'entendre. L'avion a bougé. Moi, je ne suis plus parti. Je suis à la présidence sans poste. Toumba, c'est un ami. On a travaillé ensemble. S'il monte, Marcel monte. S'il descend, je descends. Il occupait la première étage, j'étais à la deuxième. Donc, pour mettre un entre parenthèses, c'est l'affaire de Fromo. Quand on a posé la question au président, Fromo, on a qu'à envoyer Fromo. Comment on va envoyer Fromo? C'est ton Fromo? Fromo, c'est un fétiché. C'est pas un maraboudé. C'est un fétiché. Et chacun de nous sait ce que c'est qu'un fétiché. Nous sommes Africains. Moi, j'ai vu Fromo pour la première fois à Sonfonia, sous la conduite du président Moussa Dadis Camara, avant même le décès du feu général Alassane Conti. Parce qu'il fallait partir à Sonfonia. Ces jours, guidés par le président Moussa Dadis Camara, pour nous préparer
À l'avance. Donc, nous avons pacté. Ça veut dire quoi? Nous avons juré. Et chacun de nous sommes africains. Quand tu jures, tu prends un fétiche. Tu jures, quand je serai comme ça, c'est ce que je vais faire. Si tu ne fais pas, les conséquences, tu en es responsable. On a pacté d'être au chevet du président partout où il est ou partout où il sera. De le protéger, de ne pas le trahir. On a juré d'abord ça. Il dit, le président Dadis était là. Le commandant Toumba était là. J'étais là. Escoba, même le commandant du salon était là. Escoba. Escoba a pacté. C'est pourquoi il est l'un des grands combattants pour l'avènement du président Dadis au pouvoir. Le président Dadis le connaît. Il ne parle pas français. Son français, c'est français. Voilà. Mais c'est un grand homme. On a pacté. C'est un grand combattant. Il était présent d'aider le président partout où il est. C'est la raison à laquelle d'ailleurs il fut nommé commandant du salon. Donc, on a aussi pris des choses contre des éventuelles attaques des ennemis qu'on appelle antibales. Je vais parler de la garde parallèle. C'est eux qui ont exécuté les ordres du président pour le stade 28 septembre. Quand on veut définir la garde parallèle, ce sont des hommes, qu'ils soient militaires ou civils, que quelqu'un ou un individu étant une autorité met en place pour ses propres missions secrètes, pour exercer son pouvoir en se camouflant, elle peut être bonne ou mauvaise. Mais cette garde parallèle ne peut pas conjuguer le même verbe avec la vraie garde visible au vu du peuple. Parce que la garde parallèle, le chef d'État les utilise pour ses faits, ses propres besoins. Monsieur le président du tribunal, après tous les efforts fournis, sans aucun poste, sauf le commandant Toumba qui m'aidait. Il avait pitié de moi. Je sais même qu'il m'aime toujours. Parce qu'il ne m'a jamais vu sur un mauvais chemin. Tout allait au début, depuis le 2 à 3 mois du pouvoir. Mais moi, personnellement, j'ai vu et j'ai constaté que j'étais écarté de beaucoup de choses. Mais il ne m'osait pas. J'ai gardé la patience et resté derrière Toumba, qui était aide du camp. Partout où il partait, j'étais avec lui et les gens ont vu qu'on était très d'accord. Monsieur le Président, pour ne pas tourner autour du pot, le président Dandis a formé sa garde parallèle que moi-même j'ai constaté que je vais les nommer. Monsieur Joseph Makambo, paix à son âme,
Il fut nommé chargé d'opération du président de la République. Qui dit chargé d'opération? Il faut être muni des armes. Qui commande? Tu as des personnes autour de toi que tu vas donner des ordres. Et à M. Gono Sangaré, intendant particulier du président Dadis, qui d'ailleurs avait la charge de l'entretien des jeunes de recrues de Kalia. Et toute espèce et homme secret du président. C'est Gono. Il n'est pas là. Hein? Gono a quitté le pays, ça fait plus de 13 ans. Parce qu'il sait. Qui c'est qui pouvait l'atteindre? On fut arrêté le même moment. Et ils ont eu la chance, par les plans Machiavel, les soutirer parmi nous, les libérer, et il a taillé. Il a utilisé le terrain. Jusqu'à présent, le terrain est utilisé. Il y a M. Tédor, qui était permanemment à Ouaga avec le président. Au Burkina, il était avec lui. Où il est? Il a taillé. Il y a le commandant du camp Koundara que le général Sekouba Konaté a renommé camp Makambo. Il était dirigé par M. Bégiré. Il n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Mais monsieur le président du tribunal, c'était un homme barbare. On ne peut pas mentir sur un corps, celui qui est décédé. C'est un ami militaire avant tout, mais il était barbare. Et aucun de ces éléments ne pouvait lui parler. Je lui ai reproché en disant, quand il est venu, un jour à la présidence, il dit, Bégré, tu viens maintenant à la présidence sans me saluer au moins. La réponse qu'il m'a donnée, moi j'ai été nommé par le président de la République. C'est lui seul que je peux lui rendre compte. Tu es quoi? En me disant avec un ton sec. Et il était dans un état incontrôlé. En plus, il a ajouté, quel poste que tu as, que je vienne te saluer. C'est le mot-là qui m'a fait mal, très mal. Je l'ai cherché auprès de moi. Et lui aussi, il n'a pas retardé. C'est ce qui a fait d'ailleurs, je ne partais plus au camp Makambo. La preuve est que, monsieur le président, Bégré avait giflé un journaliste qui s'appelait monsieur Fana Souma. Ici, à Bolobiné, il a limé. C'est le président Dadis qui avait intervenu parce que Bégré faisait partie de la garde parallèle. Sinon, il devait être mis aux arrêts et lui juger.